Bonjour à tous, des coups de pépette. Alors aujourd'hui, une petite vidéo nose et action. Donc c'est du nose que je suis allée vendredi avant d'avoir ma petite fille. C'est pour ça que je l'ai pas eu, je l'ai pas fait avant. Et action, c'est pareil, hein, c'est du vendredi 21. Voilà, alors chez nose, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé des petites fleurs comme ça de chez Artemio à 1,50 €. Alors il y a deux tailles différentes. Vous avez les plus grandes qui sont comme ceci. Voilà. Et vous avez la taille en dessous qui est plus petite, qui est comme ceci. Voilà, on peut les associer ensemble, les mettre en quinconce. Et ça peut faire des petites fleurs sympas avec en les ancrant un petit peu. Donc j'ai trouvé deux boîtes, j'en ai pris deux boîtes. Voilà. J'ai trouvé des braves ou attaches parisiennes, comme on veut, sur le thème licorne, toujours de la marque Artemio. Ils ont mis l'étiquette devant là, mais bon, c'est bien du Artemio, hein. Si je pouvais l'enlever, bon, on peut pas l'enlever. Voilà, c'est, vous voyez, là, c'est Artemio derrière, hein. Je ne vous dis pas de bêtises. Voilà, et ces petits brads là, licorne, ils étaient à 1,50 €. Voilà, donc j'en ai trouvé deux. J'en ai pris deux, comme en ce moment je suis dans les albums bébés. Donc j'en ai pris deux. J'ai trouvé un tampon comme ça, une maman poule avec ses petits poussins. Alors ça peut faire Pâques, bien entendu, hein. Et ça peut faire aussi pour les petits albums bébés. Une bonne mère poule. Voilà. Donc ça, c'était 2,50 €. Et c'est pareil, c'est de la marque Artemio. Voilà. Pour 2,50 €. Et quand on les tamponne, ça vous donne ceci. Voilà, forcément, j'ai fait ça sur un papier d'imprimante. Alors, c'est pas top top, mais ça fait ça. Voilà. Pour ce petit tampon là, il n'y en avait qu'un. S'il y en avait eu d'autres, j'en aurais pris. Oui, je vous ai dit le prix de 50. Et j'ai trouvé des onglets comme ça. Voilà, des onglets comme ça. Donc j'ai trouvé ça, c'était 50 centimes les onglets. Comme ça. Et alors, il y en a pas mal, hein, dedans. Vous voyez, ça vous fait un peu comme des post-it, hein. Mais j'ai trouvé que c'était bien. Voilà. Si j'arrivais. Vous voyez, ça fait un peu comme des petits post-it, mais en les doublant un peu, ça peut faire un peu plus solide. Et puis, des fois, pour faire des marque-pages aussi, tout ça, ça peut être bien. Donc, j'ai pris ce modèle-là. J'ai pris ce modèle-là. Et celui-là en craft avec noir, des petits points, des rayures et puis genre d'arabesque. Et j'ai pris un craft avec du foil doré. Voilà. Et ça, c'était 50 centimes. Voilà pour le petit haul nose. Il n'y avait rien du tout à nose. J'ai juste trouvé ça. Rien du tout. Après, je suis allée, donc, je vous dis, à Action. Alors, Action, j'ai trouvé une petite boîte comme ça à 50 centimes. Petite boîte comme ça. Alors cette petite boîte là, c'est pour ranger tous mes brosses comme ça. Ça va être les brosses qu'on sert pour faire des fonds de page ou comment ancrer nos feuilles, nos petits messages et tout. Voilà, ça c'est pour, hop, voilà, déjà trouvé son utilité. Une petite boîte comme ça à 56 centimes. J'ai trouvé des masques comme ça à fleurs 99 centimes, parce que j'en ai un peu ras-le-bol des masques bleus là qu'on se balade tout le temps, hein. Donc j'ai trouvé ça sympa, ils sont comme ça avec des petites fleurs, j'ai trouvé ça bien. Voilà, j'ai repris du double face à 56 centimes là, comme ça, double face mousse. Voilà, si j'ai pris du gros scotch d'emballage comme ça pour faire des petits colis, des choses ou des cartons quand j'ai des cartons
à scotcher des vêtements, des choses comme ça. Voilà, ça c'était 79 centimes. Et j'ai repris du double face comme ça. Le classique là où on trouve. Hein. Voilà. Alors ça, je sais pas, j'ai pas marqué le prix. J'ai oublié de marquer le prix, mais bon, vous connaissez le prix de ça. Hein. C'est pas très cher. J'ai repris un truc comme ça. Il y en avait encore. Il n'y en avait plus beaucoup. Alors j'en ai repris un quand même. Parce qu'ils ne sont pas trop mal quand même. Bon, les mousses roses, c'est un peu de la gnognotte. Hein. Puis quand on les enlève, il faut vraiment faire attention. Parce qu'elles se craquent. Mais le blanc et le noir, ils sont très bien. Ils sont très très bien pour lustrer des fois de l'encre. Ils sont très très bien. Mais je vous dis, la rose, c'est vraiment gnognotte. Hein. Quand on, des fois, on les enlève du support là. Ils ont tendance à se déchirer. Bon, vous allez me dire, pour le prix à 94 centimes, on ne va pas demander non plus la mer à boire. Voilà, j'ai trouvé du ruban comme ça. Alors, ça doit être nouveau parce que je ne sais pas. Du ruban comme ça. Jusque-là, moi, je n'en avais jamais vu. Dans mon action, moi, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Hein. Ou alors, les nouveaux choses, ils arrivent, vous allez voir, l'an dernier. Vous, vous les avez eu depuis longtemps, mais moi, ils arrivent seulement. Alors ça, ces rubans-là, je les ai pris en violet. Et ils étaient à 99 centimes. Il y en a, bon, un mètre, je pense un mètre quelque chose. Hein. Ils font 5 mm de... Ils font 1 cm de large, hein, je pense. Je crois. Oui, celui-là, la fleur, il fait 1,5 même. Et le petit là, avec... ben non, ils font tous 1,5. 1,5. Vous en avez à peu près un mètre hein, là-dedans. Voilà. Ça, je l'ai payé 89 centimes. Ça, pour moi, c'est nouveau, mais peut-être que pour vous, il y a longtemps que vous les avez. Hein. J'ai retrouvé ces fleurs-là. Alors ça, non, c'était pas nouveau. Hein. J'en ai repris deux petits paquets, ce que je trouve joli, ces petites fleurs-là. Il suffit de les retravailler un peu, et puis ils ont une belle allure. Alors ça, c'était 84 centimes. Voilà. J'ai repris, pour une fois, il y en avait, parce que c'est vrai que quand j'en veux, j'en trouve jamais, ces fleurs-là. Alors ça, c'était 79 centimes, et vous connaissez, hein, bon, c'est pour la première fois. Ça, c'était... Donc ceux-là, ils sont un peu écrus. J'en ai pris deux paquets de blanc, un violet, et deux paquets de rose. Voilà, ça j'aime bien, j'en mets un peu partout, ces petites fleurs-là. Toc, j'ai pris en métal, comme ça, des feuilles. En métal, comme ça, feuilles, le feuillage. Et ça, c'était 99 centimes. J'ai pris les fleurs, comme ceci. J'en ai pris deux en fleurs, voilà. J'ai pris, alors je vais essayer de faire, Sylvie, scrap de Sylvie, elle me donne envie avec son art journal. Alors j'ai trouvé, il y en avait qu'un, hein, mais franchement c'était le dernier et pas d'autres. Je vais essayer de faire comme, en suivant un peu les tutos de Sylvie, de scrap de Sylvie, pour faire du art journal. J'ai pris celui-là, parce que voilà, hein, les pages ils sont quand même assez épaisses. Hein. Alors je pense que... ça devrait le faire, j'en ai jamais fait un de l'art journal, mais Sylvie, elle me donne tellement envie avec ça, ça fait tellement de jolies choses que j'aimerais bien essayer d'en faire. Voilà, donc j'ai trouvé ce... Alors ça, c'était 1,99€, et je vous dis, c'était vraiment le dernier, il n'y en avait pas d'autre. Hein. Je vais le mettre là. J'ai repris un bloc cardstock de luxe comme ça, ils appellent ça en lin, eux. Alors vous savez, c'est les blancs, là. Les pages blanches et les pages un peu jaunes là. Ben, pour une fois ça allait parce que ce que je trouvais en dernier, c'est pour ça que j'en prenais plus trop, c'était vraiment jaune, mais jaune, ça c'est jaune pisseux, moche là. Alors ceux-là ils sont quand même plus clairs, c'est quand même plus joli. Voilà, alors ça c'est 1,55€, ça vous connaissez aussi. Et j'avais dit que je reprendrais pas de bloc, mais je me suis laissé tenter par celui-ci. Voilà. Par celui-ci, je trouve très joli. Celui-là. Et comme je suis dans les albums bébés, ben je trouvais que ça pouvait faire enfant, bébé. Vous voyez, c'est ça. Et
Alors, c'est vrai qu'il y a un peu de folle. Alors, moi, je suis pas tellement folle, mais il n'y en a pas tant que ça. Parce que vous voyez, par exemple, ces deux feuilles-là, avec les petites fleurs, ça, c'est normal. Les deux roses comme ça, c'est pareil, normal. À part celui-là avec les petits cœurs, là, c'est avec du folle. Mais il n'y en a qu'une. Celle-ci, elle est très jolie, je trouve. C'est normal. Celle-ci, bah, ouais, y a des petits points, mais ça va encore. C'est vraiment des tout petits points. Ça va encore. Celle-ci, bah, elle est comme ça. Voilà. Celle-ci, c'est avec des tout petites étoiles. Mais bon, c'est pas trop trop quand même. Celle-ci. On a deux comme ça. Celle-ci. Je trouvais que ça faisait vraiment pour bébé, ça allait. Bon, celle-ci, il y a aussi les petites fleurs. Mais bon. Celle-ci avec les rayures. C'est joli, c'est dans les thèmes vraiment pastel, rose, rose clair, bleu. Celle-ci. Là, il y en a une en fait du folle. Alors celle-ci, j'aime un peu moins. Parce qu'il y en a un peu trop à mon goût. Ça, c'est avec des petites flèches, ça va. Là, c'est avec du folle. Mais bon, ça va encore. Celle-ci. Celle-ci, non, parce qu'il y en a un peu trop haut. C'est des petites lunettes. Là, c'est encore les lunettes, mais avec le folle. Celui-ci, j'aime bien. Celui-là, il a du folle. Et après, ben, on revient, vous savez, avec les autres. Voilà. Pour ce petit bloc-là, comme je suis dans les albums bébés, ça devrait le faire. Après, j'étais contente parce que j'ai enfin trouvé cette daille-là. Hein, bon, j'avais pas, j'ai pas pris toute la collection la fois qu'ils y étaient parce que les autres ne me plaisaient pas trop. Là, j'avais pris celle-ci, puis j'avais pris ceux pour les bébés là. Alors, ça c'était 2,49. Voilà, j'étais contente de l'avoir trouvé parce qu'il me manquait celle-ci. Par contre, dans les formes géométriques là, comme ça, là j'ai pris toute la collection, j'ai pris les 8. Donc, celle-ci, je vous les montre, hein, mais vous connaissez. Hein. Celle-ci, j'aime bien les ovales là. Celle-ci, avec le reflet, c'est pas évident. Celle-ci, les tags et les étoiles. Et je me suis aperçue maintenant, là, dans les nouveaux tags qu'ils font, ils sont attachés les uns aux autres. Si vous regardez bien, vous voyez, ils sont tous attachés. Par contre, dans les anciens là, vous voyez, ils sont pas attachés. Et là, je vois dans tous les nouveaux dies là, vous voyez, ils sont tous attachés ensemble. L'étoile, elle est attachée avec la grosse, vous voyez. Ils sont tous attachés. Et chose qu'avant, ils n'étaient pas attachés. Hein. Donc ça, je les ai tous pris. Ça, c'était 3,99, je crois, les dies là. Là, j'ai tous pris parce que ça, je les aimais bien. Et dans ceux-là, j'en ai pris que 3. Alors, vous les connaissez, moi, je les ai seulement maintenant. Hein. 3,99 aussi. Alors, vous avez ben, l'ampoule, là. Comme ça, là. On peut faire une ampoule. On peut faire une montgolfière. Et on peut faire aussi un ballon. Je trouvais que c'était bien. Elle est pas mal, celle-ci. Voilà, toujours à 3,99. J'ai pris ça pour les bébés. Ça, j'aimais bien. Voilà. Et j'ai pris la petite machine à laver. Voilà, comme ça. Et c'est tout ce qu'il y avait comme die pour moi nouveau. Hein, parce que les nouvelles dalles là qu'ils ont sorties, moi, ils n'y étaient pas. Hein. Il y avait ceux-là, mais il n'y avait pas les autres qu'ils ont sortis là, qui sont assez grandes, là, qu'on peut faire une pochette. Je crois que c'est. Il y a beaucoup de tags, même dedans, dans tous ces modèles qu'il y a. Mais moi, je ne les ai pas trouvés. Et j'ai pris aussi des feuilles plastifiées là. Pour faire dans la plastifieuse pour faire des pochettes. Pour ranger un petit peu les petites bricoles que j'ai à ranger. Voilà, ben je crois que je vous ai tout montré, mes petits achats de chez Nos Actions. Voilà. Donc aujourd'hui, eh ben, j'ai repris mes ateliers. Les dames, elles étaient très contentes. On a refait notre panière que je vous avais montré là. On a fait ça. Et la prochaine fois, ben, on fera des attrape-rêves, des pochettes avec des sets de table aussi. J'en avais une tout à l'heure, je sais plus.
ce que j'en ai fait. Je l'ai rangé, mais je ne sais plus où. Bon, c'est pas grave. Et on fera ça, des pochettes comme ça. Je ne sais plus si je l'ai mis. Je l'avais il n'y a pas très longtemps dans les mains. Je l'ai rangé. Bon, c'est pas grave. Je vous la montrerai quand je l'aurai fini. Voilà. Et puis, ben voilà, c'est tout. J'espère que vous allez bien. Alors, le temps par chez nous, ben, c'est toujours pareil. Hein. Il fait froid. On a eu du soleil aujourd'hui, mais froid. Et là, il vient de pleuvoir un petit peu. Jusque... Voilà, voilà. Ben, je vais vous laisser. Je vais vous faire de gros bisous. Et comme je reprends mon travail, donc je ne suis pas prête à refaire des vidéos parce que ça ne va pas être facile quand je reprends le travail. Comme je vous ai déjà dit, hein, entre le travail, la maison, la petite fille à garder régulièrement, c'est pas facile. À part le mardi, je ne l'ai pas parce que ma belle-fille sait que je vais aux ateliers. Et bah, elle, ma petite fille, elle va à la crèche. C'est pour ça que le mardi, je ne l'ai pas. Mais les autres jours, elle va aussi à la crèche. Hein, mais il faut qu'on aille la chercher à la crèche. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas toujours faire de vidéos. Voilà, je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous et je vous dis à plus tard. Au revoir.